après 50 ans d'indépendance, nous n'avons pas été capables de mettre en place une politique éducative qui valorise notre civilisation. Je viens de faire une enquête qui me donne des informations qui sont alarmantes. Si ton père et ta mère étaient des Blancs, raconte ta vie. Ils seront beaux, dont les Noirs sont verts. Ils seront riches, dont tous les Noirs sont pauvres. On a des enfants qui réfléchissent comme s'ils ont été colonisés. Et du même moment, on a fait la même enquête auprès des élèves européens. Là aussi, les conclusions font peur. Si leur père et leur mère étaient des Noirs, ils vont les enseigner à écrire, à compter, à dessiner. Bref, on a des enfants qui ont dans leur tête l'idée d'aller civiliser. Il y aurait donc urgence à démonter les préjugés qui faussent notre perception les uns des autres, africains et européens. C'est pour en découvrir un peu plus sur la question, mais surtout avec l'ambition de travailler concrètement à la réalisation des objectifs du développement durable, que six jeunes filles belges et leurs professeurs s'envolent vers le Bénin pour y rencontrer un groupe d'élèves locaux. Ces jeunes belges et béninois participent au nouveau programme Youth for Change, mis en place par l'ONG Via Don Bosco. Sur une période de 2 ans, chaque groupe d'élèves va mettre en œuvre des projets concrets liés aux objectifs du développement durable. On avait lancé un projet il y a 3 ans, au moment de la grande arrivée massive de migrants en Europe pendant l'été. Et on a poussé justement nos élèves, qui avaient pas mal de préjugés, de stéréotypes, à rencontrer des migrants. Et on a remarqué que par la rencontre, les stéréotypes tombaient très rapidement. Quelque chose se joue à l'intérieur, c'est par le côté plus émotionnel justement, qui fait que là on voit dans l'autre cette différence et en même temps ces points communs. Et c'est là où on peut réellement changer de point de vue, réellement se changer soi-même et peut-être un peu de ce monde. Quand tu vas en Europe, bon, la vie est belle, la vie est rose, c'est ce qu'on croyait. Mais depuis ces 2 jours d'interculturalité partagée avec les Belges, moi, j'ai compris que le mieux, c'est chez moi. J'ai déjà le mieux chez moi. Donc, il faudrait que je reste chez moi et j'apporte ma contribution pour le développement de mon pays et de mon continent. Je suis venu, j'ai accepté aussi laisser mes vacances, tout ça, être là pour pouvoir prouver aux Belges que nous, les Africains, aussi, nous avons du potentiel. C'est vrai, il y a beaucoup de préjugés et que nous pouvons réussir qu'à avoir un monde meilleur si nous travaillons tous ensemble, si nous mettons tous la main à la pâte. C'est la force des 17 objectifs du développement durable qui permettent de comprendre que tout est relié et que nous avons tous quelque chose à faire.